Chers camarades, chers groupes et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Voici venu le moment tant attendu. Difficile, mais nécessaire pour clôturer une étape de votre vie. En effet, vous avez toujours été protégé par votre entourage qui a su vous inculquer des bagages nécessaires pendant votre vie à l'école. Vous serez bientôt dans l'école de la vie qui vous fournira plus de responsabilités et de sagesse en vue de vous façonner pour que vous deveniez les citoyens dont le pays a besoin et aussi réaliser vous-même. Vous avez certes des blancs, mais des traits de ce nature et certains. Cette incertitude sera comblée par la présence de notre Seigneur. Ce dernier vous sera indispensable. Il vous réconfortera et vous protégera quand vous sortirez épuisés, délaissés et emportés par les tumultes de l'existence. Puisse Dieu vous accompagne dans votre périple, qu'il vous renforce et qu'il vous guide, afin que vous puissiez réussir tout ce que vous allez entreprendre. Qu'il vous donne de la sagesse pour que vous puissiez voir au-delà de vos limites, au-delà de vos montagnes. Soyez des sels de la terre, des hommes portant de vos fruits, puis dans leur graisse sera la lumière divine. Le bon Dieu pour le Seigneur. Seigneur, sois sûr de l'amour du Sauveur. Lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. En somme, pitié, Seigneur.
nous avons péché. Fais que je donne les chats et la fête. Ils danseront les eaux que tu voyais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur. Ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. En somme, pitié Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Ensemble, pitié Seigneur, car nous avons péché. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors, tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon. Pour toutes nos pensées impures, viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Seigneur, tu nous connais mieux que nous nous connaissons. Tu connais nos faiblesses, nos peurs et nos doutes. Donne-nous la force, que nous soyons porteurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout où nous irons. Que nous n'ayons pas peur d'être des représentants de ton royaume sur terre. Renforce notre foi, que nous soyons des fidèles à ta volonté. Écoutons ce que l'évangéliste Matthieu nous dit au chapitre 25, les versets 14 à 30. Matthieu 25, versets 14 à 30. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit, Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup plus. Beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur,
Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua, « Seigneur, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, donnez-le à celui qui en a 10, dans celui qui a recevoir encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien ne fera enlever aucun. Se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors, dans les ténèbres, car il y aura des pleurs. Là, oui, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parole du Seigneur. C'est pas nouveau pour vous cette parole, hein? Vous l'avez déjà entendu, pas vrai? Plusieurs fois. Alors, Jésus, dans la vie, pendant son parcours sur la terre, a utilisé beaucoup des paraboles, surtout les. Dans ces derniers jours, pour parler de son retour. Alors, il y a des paraboles qui parlent de son arrivée imprévue, par exemple, il va arriver comme un voleur, il va arriver comme un époux, trouver sa fiancée, etc. Mais aujourd'hui, il se présente d'une autre façon. Est-ce que vous avez vu comment il se présente? Hein? Comment il se présente? Un maître, oui. Puisqu'on doit rendre compte, un juge, là il se présente comme un juge, c'est le dernier temps, le dernier jour, il se présente comme un juge. Alors il t'a donné quelque chose à faire, maintenant tu vas lui rendre compte. Alors, pour cela, sans perdre de temps, nous allons essayer de prendre point par point cette portion d'évangile qu'on vient d'entendre. Alors, on dit qu'un homme qui partait en voyage, il est parti en voyage, alors ça, cet homme parti en voyage représente Jésus. Qui était là avec nous, mais qui s'en va. Hein? Sa mort et sa résurrection, il s'en va. Mais il était là avec toi, il t'a aidé. Hein? Il t'a aidé à grandir, à marcher, mais il s'en va. Mais avant de partir, il t'a laissé quelque chose. Hein? Ce sont les talents. Les talents, dans le temps, c'était l'argent, c'était l'argent. Hein? Mais aujourd'hui, dans notre monde, les talents représentent quoi? Mais ce que nous avons comme capacité, comme potentialité, par exemple, il y en a qui sont bons en musique, qui sont bons en lettres, qui sont bons en langue, etc. Ce sont ces talents-là dont on parle aujourd'hui, humainement parlant. Ok? Mais ces talents-là appartiennent à Dieu. Il te les confie. Alors, s'il te les a confiés, alors toi, tu devais être heureuse de recevoir ces talents-là et puis de les faire fructifier. Alors, c'est de ça qu'on a dit. Que ceux-là qui ont reçu et fasse fructifier cet talent-là pour le bien des autres. Ok? Alors, si on comprend point, on va voir que. Alors, il est parti, il a donné les talents, et il peut maintenant tout faire. Il s'est où est-il? On vous dit qu'il est parti. Hein? Il a laissé les serviteurs seuls. Vous avez reçu les talents maintenant? Allez-y. Hein? Alors, les filles, où sont-elles? C'est vous autres, vous allez toucher. Alors, les filles, allez. On va pousser nous, non? Non, mais vous devez partir. C'est triste, on va pleurer. Vous étiez dans la couveuse, bien chaud. Là, maintenant, vous devez laisser la couveuse, les filles. Vous devez voler par vos propres ailes. Il va avoir des peurs, c'est vrai. Mais soyez fort. Dieu est avec vous et il sera toujours avec vous. On vous l'a toujours dit ici, dans cette maison-ci. Crois en Dieu. Accroche-toi à Dieu et fais ton chemin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, qu'il n'y a pas de chemin carotteux, il y a besoin d'avoir. Mais Dieu est là, il est puissant. Ok? Nous autres, nous avons fait notre devoir. Tout ce que nous devons, on l'a fait avec vous. On existe toujours. Mais on aimerait ça vous voir vraiment voler. Hein? Ok? Alors, c'est ça le message pour vous aujourd'hui. Je pense que c'est ça que Dieu a voulu nous donner. Alors, en prenant l'exemple. Et dans son évangile, on parle d'éternité. Alors, c'est votre éternité que vous préparez. Hein? L'éternité, ça ne se vend pas au marché, ça ne se vend pas, tu ne peux pas faire des tiroirs, tu vas travailler pour ton éternité. Alors, c'est ça. Les talents, c'est tout ce que le Seigneur vous donne pour préparer ta vie, pour que à sa venue, vous soyez belle et puis
pour toi. Moi aussi, quelque chose à lui offrir. Hein? Et pas juste belle, mais on était là, belle et tout, offrir quelque chose. Du coup, c'est le vœu de Dieu pour chacun, chacune de nous. Amen. Ensemble, humblement, nous t'adressons nos prières au Seigneur de ton amour. Écoute-nous. Seigneur Jésus, nous te disons merci d'avoir préservé nos sœurs de mauvais anciens. Nous te sommes reconnaissants de les avoir permis de boucler cette année en dépit de toutes les turbulences. Daigne les accompagner au cours des examens officiels. Seigneur, nous te prions. Aide-les à développer l'humilité, la motivation, afin que cette dernière ne passe pas à côté de leur vie. Par ta miséricorde, montre-leur le droit chemin. Que ta lumière les guide et qu'elle les aide à avancer dans ce long parcours qu'est la vie. Ainsi, nous te prions. Nous t'adressons nos prières. Te demandons de garder un regard plein d'amour et de tendresse envers nos grandes sœurs. Protège et accompagne-les dans tout ce qu'elles auront à entreprendre. Seigneur, nous te prions. Pour nos grandes sœurs, ne te lasse pas de répandre ta grâce sur elles. Que ta bénédiction les accompagne et que ta voix puisse les guider dans les choix qu'elles auront à faire, et ceci dès aujourd'hui. Seigneur, nous te prions. Nous t'adressons nos prières. Telles ces raisins qui ont été plantées, arrosées, qui sont maintenant arrivées à maturation, voilà tes filles qui sont maintenant prêtes pour affronter les difficultés de la vie. Elles ont déjà été arrosées pour les bagages nécessaires. Enracinez-les avec un être humain. Seigneur, nous offrons ces fruits. Par ce geste, nous reconnaissons que tu es source de toute vie. En cette vie, nous t'avons commencé tes filles,
Il nous naît de ta grâce pour qu'elle soit symbole de ta présence et symbole de réussite. Nous allons attendre les filles qui étaient désignées pour partager leur vécu au collège, c'est-à-dire Clavisson, Christelle, Girna, tout d'abord, et ensuite Gethin. Et Rode. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Christelle. Alors, pour mon vécu, je vais commencer dès mon inscription à l'école. Je peux dire que c'est l'un des moments qui m'ont le plus marqué au collège. Alors, lorsque j'étais venue pour l'inscription, le premier jour, il y avait Madame Mona et d'autres professeurs. Et puisque j'étais la plus courte du rang, Mona m'a dit, viens là. Et puis, elle a demandé à maman, elle a quel âge? Maman a dit 4 ans, j'étais plus petite que prévu. Elle a dit non, non, elle ne va pas venir à l'école. On va passer, à cause de mon âge, je ne pourrai pas me prendre. Maman a dit oh, et puis elle était obligée de partir. Elle était obligée de partir. Et puis lorsqu'on est allé chez Madame Claudette, je crois, la dame qui a l'habitude de coudre pour nous, en bas, et elle nous a dit mais qu'est-ce que vous faites là? Non, vous commencez, vous remontez, vous tournez à l'école, vous devez inscrire la fille, etc., etc. Et on est revenu le même jour. Et on a dit qu'on va m'inscrire. Et Madame Mona a dit qu'elle ne croyait pas en mes compétences et que je ne voulais pas rester à l'école à cause de mon âge. Et c'est en ce moment que Madame Myriam a dit qu'elle va tout d'abord me faire passer un examen pour voir si je pourrais être à la hauteur des examens qu'on va donner après. J'ai passé l'examen et elle a dit à ma maman que j'ai plus d'étoffe qu'une fille de philo, mais c'était juste pour... Juste pour rigoler, pour voir que je pouvais vraiment passer les examens malgré mon âge. Et j'ai recomposé pour la suite. Donc, j'ai passé 2 examens pour pouvoir rentrer à l'école. Donc, je peux dire que en première et deuxième année, j'étais une fille assez turbulente. Contrairement à ce que vous pourriez penser. En première année, on m'a mis dehors dans la salle parce que j'ai failli faire tomber une fille de sa chaise. Oui, ensuite, en deuxième année, Madame Denise m'a battue parce que j'étais en train de parler avec Christy. Oui, et puis, disons que c'est après le tremblement de terre que j'ai commencé vraiment à prendre mes études au sérieux parce que c'est en cette période que mes parents ont décidé que je devais me débrouiller seule. Et même, il faut dire aussi qu'en première ou deuxième année, même quatrième année, j'étais très nulle en dictée. De 5 ans, 10, j'avais beaucoup de problèmes à cause de ça et mes parents me
comment dire, ils essaient de me pousser pour augmenter. Et en quatrième année, après mes efforts, et je me suis préparée toute seule et tout, j'ai été dispensée au troisième trimestre pendant que je ne m'y attendais pas. Et on m'a fait venir des cadeaux. Et puis ensuite, lorsque les filles étaient venues me proposer, moi j'étais sur la cour, en train de lire et de regarder. Bon, tout ça, ça m'a fait manquer. En cinquième et sixième année, j'ai eu comme professeur Madame Edith. Et je pense que c'est en ce moment qu'elle a commencé à me pousser pour prendre certaines responsabilités et essayer de développer mon leadership. Parce que lorsqu'elle n'était pas là, c'était moi qui étais responsable de gérer la classe, surtout en cinquième année. En sixième année, j'étais vice-présidente, mais malgré tout, j'essayais tout de même de gérer. Disons que par rapport au primaire, c'est ce professeur qui m'a le plus marqué. Et je pense qu'il a manqué beaucoup d'entre nous. Et bon, ensuite, on devait monter en septième. Disons que c'est en septième vraiment que j'ai commencé à créer des liens avec des filles de la promotion. Parce qu'avant, disons que je passais chaque année avec une fille. Donc j'étais la meilleure amie d'une fille chaque année. Avec une fille de zéro. Voilà. Et puis en septième année, j'ai commencé vraiment à créer des liens. Je pense que... J'ai aussi eu l'eau de président, mais je ne m'en souviens pas. Oui, donc disons que j'étais assez courte. Et puis, oh non, il faut dire que dans la promotion, ce qui m'a fait manquer en sixième année, c'est parce que j'avais grossi. Et vu que j'avais grossi, j'étais toute courte. Et puis, je ressemblais comme les filles avaient l'habitude d'avoir une boule citron. Parce que j'étais tellement courte. Et disons que par rapport à cela, les filles m'ont motivée. Et disons que c'est à partir de ce moment que j'ai décidé de maigrir, juste à cause de cela, parce que je ne tolérais pas ce nom. Et puis en septième, bien sûr, je suis montée. Disons que j'ai toujours été timide, mais parfois par rapport aux responsabilités qu'on m'a données, j'étais obligée de me battre pour me tenir devant un groupe d'élèves, essayer de faire passer mes opinions et autres. Mais il faut dire qu'en septième, sixième année, Je m'y prenais vraiment mal parce que je ne savais pas vraiment comment m'y prendre. Je l'ai le plus souvent et j'ai une grosse voix, comme vous le savez. Et c'est tout le temps. Et le plus souvent aussi, pas le plus souvent, je suis une fille sensible. Donc, parfois, lorsque je m'énerve ou autre, j'avais vraiment l'habitude de pleurer. Ensuite, huitième année. C'était des classes. Disons que c'est à ce moment-là vraiment que j'ai commencé à créer des liens, disons plus particulièrement entre 8e et 9e. Et je suis encore avec ces filles, elles sont mes amies. Et malgré qu'on a changé de classe, j'ai continué à garder ces filles comme amies. Et disons que c'est en 9e que j'ai vraiment senti que je faisais partie d'une promotion. Et en montant secondaire 1, disons que j'essayais, par rapport avec ma capacité à comprendre les maths et la physique et tout, à aider les filles de la promotion, celles qui se présentaient le plus que possible. Et disons que c'est aussi, en secondaire 1, que j'ai commencé vraiment à me dire que je devais combattre totalement ma timidité et que je devais pouvoir me tenir devant une salle pour parler. Parce que lorsque je le disais à mes parents, il me disait comment est-ce possible que je sois dans une école et que je participe à autant d'activités que lorsqu'il s'agit de me présenter devant un public, que je ne pouvais pas. Donc c'est à ce moment que je me suis dit, quelle que soit la situation qui se présente à l'école et que je devrais me présenter devant un public, je serai portante juste pour pouvoir mieux m'exprimer et ne plus trembler. Et je tremble avec moi. Parce que j'avais bien parlé. Donc, ensuite, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4, disons que ce sont les années que j'ai le plus apprécié, parce que c'est à ce moment qu'on a vraiment commencé à partager beaucoup de choses dans la promotion. Et bien que le nom de la promotion c'est Nové Sensa, et la devise est Unitum Insedi, unité dans la diversité, c'est-à-dire que bien que dans la promotion, lorsque je vois la promotion, je vois petit groupe, mais cela en fait ne nous a pas empêché de nous unir pour partager plusieurs moments. Et disons que ce sont ces moments-là qui m'ont le plus marqué. Lorsque je regarde
certaines photos, certaines vidéos, lorsque je prends le temps de regarder, c'est ça vraiment qui m'a manqué. Et je pense que la personne que je suis aujourd'hui, c'est vraiment grâce à, aux filles de ma promotion, parce que ces filles-là ont su connaître et voir quelles sont les capacités, les potentiels qui sont chez chacune de nous. Et elles ont essayé de nous pousser, malgré qu'on ne voulait pas, vers ce qui nous correspondait. Et je les remercie vraiment. Merci beaucoup, Nové Sensa. Et juste pour ajouter, j'ai seulement ajouté que mon expérience avec le petit personnel, les professeurs, c'était, comment dire, c'était tout à fait normal. On n'avait pas vraiment de problème. Mais je compte vraiment à remercier les professeurs. Et malheureusement, les professeurs avec lesquels j'ai le plus de liens ne sont pas là aujourd'hui pour nous aider, parce qu'il y en a qui ont vraiment été présents pour m'aider dans mon développement personnel. Et je les remercie de là où ils sont. Et je remercie le collège pour ce qu'il m'a apporté, et plus particulièrement cette année pour la bourse qu'on m'a dédiée sans que je ne m'y attendais, bien sûr. Alors, merci pour tout. C'est tout. Merci. Eh bien, contrairement à Christelle, je n'ai pas trop de souvenirs de mon inscription à l'école. Je me rappelle seulement qu'on m'avait demandé le numéro de téléphone de ma maman. Et j'avais donné mon téléphone, après ça rien du tout. Et puis, en première année, je faisais que j'étais très calme. Et je suis très calme, c'est vrai. Mais quand je suis avec mes amis, et quand il s'agit de dossier tout ça, je suis une autre personne, c'est vrai. En deuxième année, je me suis fait une amie que j'ai gardée jusqu'à présent, mais qui n'est pas dans ce moment. Et en troisième année, à part le tremblementeur, il n'y a pas eu de trop de souvenirs. Non. En quatrième année, j'avais vraiment apprécié, surtout avec mon professeur. Et en cinquième année, comme Christelle avait dit, on a eu une très bonne expérience avec Madame Edith, parce que non seulement elle était un bon professeur, mais aussi elle nous forgeait. Elle nous prenait comme ses filles et on aimait vraiment ça. En sixième année aussi, nos professeurs, je peux dire, elles nous aidaient vraiment, elles nous donnaient de bons conseils et elles voulaient que nous soyons vraiment des aînés pour le primaire. Elles nous conseillaient d'avoir de bonnes notes, tout ça. Et en septième, je peux dire que il y avait eu beaucoup de complexes. Je ne me semblais pas une fille de septième. Disons, quand j'étais en septième, on pourrait me prendre pour une fille qui était en quatrième année, cinquième année. Et puis, après ça, je peux dire que sur le plan personnel, je ne me connaissais pas vraiment. Et que je cherchais à toujours plaire aux autres. Et en huitième, j'ai commencé à créer des liens avec les élèves de ma classe, mais pas avec la promotion. Parce que j'ai l'impression qu'en huitième, les classes étaient en compétition. En 8e, les classes étaient en compétition, mais comme si chaque classe voulait être la meilleure classe. Mais dans ce sens, c'était positif, je peux dire. Et en 9e, et on a commencé à vraiment créer des liens, 9e 1 et 9e 2. Quoi qu'il y avait toujours certains conflits, je peux dire, surtout lors des concours. Vous savez de quoi je veux. Et à certains moments, disons à plusieurs moments, comme Madame Dieu la savait le dire ou Monsieur Lino, quand on observait la salle de classe, s'il y avait un petit bout d'élèves ici, il y avait un grand vide. Le schisme, voilà. Donc, les filles, même dans les classes, il y avait des groupes de filles qui ne se supportaient pas. Oui. Même dans les classes, il y avait des groupes qui ne se supportaient pas. Et c'était tellement visible que il y avait, comme là, des filles ici, un grand vide, et puis des filles de l'autre côté. Et en secondaire 1, ça avait commencé à changer. Oui, je pense que ça avait plus ou moins commencé à changer. Et
On avait aussi commencé à créer beaucoup de liens. Je me rappelle du carnaval, par exemple. Et aussi, je crois qu'on était fort aussi. En secondaire 1. Avant ce secondaire 1, on était fort. Oui, on était forts, les deux classes étaient forts en secondaire 1. Et en seconde, il y a eu vraiment beaucoup plus de liens. Je me rappelle de Saint-Alain. Où on a pu, où les filles se sont mises ensemble pour créer un spectacle. Je pense en 3 jours. Non. En 2 créations. Pour la fête. De l'école. Et c'est ce jour-là que j'ai finalement dansé. Du moins, ce que les filles m'ont poussé à danser parce que si c'était moi, j'allais jamais le faire. Et elles me disaient toujours, oh, tu sais toujours que tu es à la danse, mais on ne te voit jamais danser, tout ça. Et donc, même le jour même, je me rappelle, le spectacle avait commencé. J'étais la dernière à devoir performer. Et je dis, ah, c'est déjà très beau, personne n'a fait pour moi pour venir danser. Et puis les filles me disaient, non, tu vas monter sur scène. Et puis je suis montée sur scène et j'ai dansé. Et les filles ont aimé. Et puis je me suis dit, ok, c'était bien. Je pense que je peux continuer à faire ça. Et j'ai continué jusqu'à ma dernière année, jusqu'à aujourd'hui même. Et je peux dire aussi qu'en secondaire 2, l'unité était beaucoup plus grande. C'était beaucoup plus grand. En secondaire 3, il y a eu encore des conflits. Je me rappelle. Premièrement, à cause de la fête de Toulouse, pour l'organisation. Et puis, deuxièmement, il y avait l'histoire de Miss Emma. Mais malgré tout, il y a eu tous ma part aussi. Mais malgré tout, ce que j'ai aimé, c'est que les filles avaient accepté et compris qu'elles avaient besoin d'aide et elles avaient été trouver M. Gauthier, je me rappelle, et M. Lino, Mme Jela aussi, pour discuter de cela parce que quand la promotion était en conflit, c'était toujours ces professeurs-là qui cherchaient à nous unir à nouveau. Donc, on a été les trouver, même si la majorité n'était plus nos profs, et on leur a expliqué la situation. Et ils nous motivaient, ils nous disaient qu'on était une promotion et qu'on devait chercher à garder l'unité. Et c'est ce qu'on avait fait. On avait essayé de faire. Et arrivé en terminale, je peux dire que nous avions eu beaucoup de projets. Beaucoup. Beaucoup d'espoir, tout ça, beaucoup de rêves, qui malheureusement n'ont pas pu se réaliser. Mais ce que je sais que tout le monde a aimé, c'est que nous avons pu nous unir encore plus. On était vraiment beaucoup plus solidaires en terminale. Ça, je le sais. Même s'il y a eu encore des conflits. Il y en aura toujours. Mais ce que je sais, c'est que si quelqu'un a besoin d'aide, tout le monde sera là pour l'aider. Et j'ai vraiment aimé. Merci, Nouvelle Sentia. Comme ta bonté se renouvelle chaque matin à notre égard, nous voulons, Seigneur, te remercier pour ta présence quotidienne à nos côtés durant ces 13 dernières années. Merci pour ton amour et ta fidélité. Seigneur, écoute nos prières. Merci, merci, Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci, Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Pour nos infatigables parents, Seigneur, nous te disons merci. Veille leur accorder la force, du courage et de la patience afin qu'ils continuent le travail que tu leur as confié. Seigneur, écoute nos prières. Merci, merci, Seigneur. Tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci, Seigneur. Tu me rends le goût de chanter. Seigneur, nous te remercions pour la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne qui impacte le milieu éducatif. Continue de les bénir afin qu'elles puissent perpétuer sa mission. Seigneur, écoute nos prières. Merci, merci, Seigneur. Tu
Seigneur Jésus, merci pour nos infatigables professeurs qui nous ont formés depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Accompagne-les dans leurs tâches afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous prions également pour les personnels administratifs et de soutien. Daigne-les bénir, qu'ils aient le courage et la détermination de l'accomplissement de leurs tâches. Seigneur, écoute nos prières. Merci, merci Seigneur. Tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur. Tu me rends le goût de chanter. Papa bon Dieu, nous voulons lever le pays nous en amé ou. Yon pays côté, je dis ou lever, mais demain ou pas assiré. Tant prie, fais lumière ou briller sous pays ya. Souple papa, coûte prier nous. Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Seigneur Jésus, nous te présentons devant toi chaque fille de la promotion de Nové Cynthia. Accorde-leur la force, le courage, l'esprit de discernement, la persévérance et la détermination dans tout ce qu'elles auront à entreprendre. Seigneur, écoute nos prières. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Et d'amour, tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle. Tu m'as conduit, que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Donne-moi de saisir ta lumière dans ma vie, viens éclairer ma nuit. Ta présence me suffit, donne-moi de garder ta loi, tes commandements, viens répondre à mon cri. Sois le Verbe de Dieu, je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé, tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté, que mon âme se tourne vers toi qui m'as relevé, tu es mon bien-aimé. Et je t'invite à régner, je veux dire sans cesse tout l'amour de tes promesses. Et entendre ici-bas la beauté de ta voix. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Donne-moi de t'aimer, de me laisser façonner. Ta présence est pour moi un débordement de joie. Je veux vivre de toi, contempler ton cœur de père, reposer près de toi. Pour la vie éternelle, je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé. Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Notre Père, en sachant que nous sommes filles de Dieu
y a des hommes ici, nous sommes filles, fils de Dieu. Nous n'avons qu'un seul Père. Et quoi qu'il t'arrive dans la vie, mets-toi en tête que tu es toujours fille de Dieu. Tu seras toujours fille de Dieu. Quoi qu'il t'arrive. Et même avec les sœurs, les confrères, dans tes relations avec autrui, mets toujours en tête que tu es fille de Dieu. Tu as des sœurs, tu as des frères qui veillent sur toi. Tu peux avoir des malentendus avec un ou l'autre, mais tu as toujours des sœurs et des frères qui veillent sur toi. Alors toi aussi, tu as des frères et sœurs sur lesquels tu dois veiller. Alors nous avons posé un geste d'amour. Nous allons nous tenir par la main, même si c'est Corona, mais on va se tenir par la main. On va se faire la main après. On va se tenir par les mains. Mais pour une façon pour dire à l'autre, nous sommes filles, fils du même père. Je te considère comme ma soeur. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Quoi qu'il arrive. Ok? Alors nous allons nous tenir par la main. Pour chanter. C'est resté? Pour réciter le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. La prière finale. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour toutes les personnes qui travaillent dans cette école, qui nous ont aidés à grandir dans la foi sur le plan spirituel. Elles nous ont permis de te connaître et de te rencontrer dans la prière à travers les journées de réflexion, les célébrations eucharistiques. Merci pour ceux et celles qui nous ont accompagnés au plan humain et intellectuel. Nous te disons merci pour ceux qui nous ont procuré de l'amour dans notre école. Merci pour ceux qui nous ont aidés à grandir, à te connaître et à te rencontrer dans la prière. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait connaître dans cet établissement. La joie, l'amitié, le pardon, le bonheur de vivre et de grandir. Toutes les relations que nous avons tissées. Merci, Seigneur, pour ton amour infini et tous ceux qui nous ont aidés à grandir sur ton chemin. Aide-nous à mieux aimer ceux qui sont près de nous et ceux que nous ne connaissons pas encore, que nous allons rencontrer sur les routes de la vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, les filles. Qu'il vous remplisse de ses bontés, de sa joie, de sa paix, de son amour. Et qu'ils vous conduisent toujours sur les chemins de la vie. Amen.
Même ça gain pour le jambe over. Il va gain pour le jambe over. Il va gain pour le jambe. Voilà, c'est parti. C'est parti. Bagay mon valet pour lui. You men li moi, ou men li moi. Tout temps m'oublie comme vous li. Et every moi même plus que you même. It's not easy. House, nothing happened. I be good boy. We solve past questions. Boom, 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 boom,
de nous mes bons. Madame, scolam. Thank you.
première de chaque classe. Dansez-les, amnistie, ou entrez, dansez-les, amnistie, Claire Wilson, Christelle et Coco Sophia. Thank you.
Sweet life, it's a
You're my flashlight.